nous avons mené le 2 avril la fête de la citoyenneté et de la solidarité comme première action de l'association. Ben, d'abord pour faire connaître l'association et ses objectifs. Et ensuite, nous avons lancé un appel à tous les partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, de respecter ces valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, toutes les valeurs de la Nouvelle République. Et nous avons invité également trois partis parmi les partis démocrates progressistes. Et via ces trois partis, nous avons lancé un appel à la constitution d'un front démocratique progressiste qui en fait nous semble à la position de l'association, hein, qui nous semble vraiment la solution pour combattre l'extrémisme. Voilà, donc là, nous avons, comme je vous ai dit, lancé l'initiative d'un front démocratique progressiste. Les trois partis sont d'accord, c'est en cours, c'est cette semaine qu'ils sont en train de voir comment se profileraient les choses. D'autres actions vont arriver avec d'autres partis, puisqu'il n'y a pas que ces trois-là qui pourraient faire partie de ce front. Et puis voilà, c'est l'une des solutions que propose l'association.